La ville de Jérusalem continue de dévoiler un peu de son histoire. Ce lundi, des archéologues israéliens ont présenté leur dernière trouvaille. Ils ont récemment mis au jour une partie du mur des Lamentations vieille de 2000 ans. Lors de ces fouilles, au pied du mur, les archéologues sont tombés, à leur grande surprise, sur les vestiges d'un bâtiment public romain. Il aurait été érigé au 2e ou 3e siècle de notre ère. C'est la première fois que les archéologues découvrent les vestiges d'un bâtiment public romain dans la vieille ville de Jérusalem.